Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui se passe? Cette partie de la plateforme est en train de se détacher! Voilà ce qui se passe! Nous avons découvert, piégés dans ces carottes de glace, la preuve d'un changement cataclysmique du climat survenu il y a environ 10 000 ans. La concentration de gaz naturel à effet de serre découvert à l'intérieur de ces carottes indique un réchauffement galopant a propulsé la planète dans une période glaciaire qui a duré 2 siècles. Je suis perdu. Je pensais que vous nous parliez de réchauffement global et non d'une période glaciaire. Oui, c'est paradoxal, mais un réchauffement global peut déclencher un refroidissement. Laissez-moi vous expliquer. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Veuillez m'excuser. Qu'en pensez-vous que ça puisse se produire, professeur, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Et qui est-ce qui paiera le prix de l'accord de Kyoto? L'appliquer coûterait à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars. Avec le respect que je vous dois, monsieur le vice-président, la facture de l'inaction serait plus élevée que cela. Le climat est fragile. Les calottes polaires sont en train de fondre à une vitesse inquiétante. Professeur Hall, notre économie est à sa manière aussi fragile que l'environnement. Peut-être ne faut-il pas l'oublier avant de faire du sensationnel à bon compte. Eh bien, le dernier morceau de glace qui s'est rompu faisait à peu près la taille de l'état de Rhode Island. Pour pas mal de gens, c'est un peu sensationnel. Je suis en direct de la conférence sur le réchauffement climatique à New Delhi et vous n'allez pas en croire vos yeux. Il neige. La météo la plus froide de notre histoire a plongé la ville dans un chaos indescriptible avec un... Taxi! Taxi! J'ai beaucoup aimé votre intervention, professeur. Elle était pleine de fougue. Merci. C'est pour ça que nous sommes ici, non? Pour faire un bon spectacle.